Bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue en Console Mania. Bienvenue dans le 50. Ah, je suis pas sûr si 54. Le son est trop fort. Ouais, le son est un peu trop fort. Dans le 54e épisode de la saison 8, on entame le dernier jeu. Non, non, c'est bien 54. On entame le dernier jeu qui est Pierre Solar. Un RPG. Et ouais, 2010, ouais. C'est un RPG bah, qui est sorti tard. Un jeu que je voulais pas faire. Parce que bah il fait pas partie comment on appelle ça? Du ROM 7 de base. Voilà. Mais maintenant on s'en tape. On s'en tape. Alors hop, je m'occupe du son pour que ce soit pas trop trop fort chez vous. Mais normalement, moi c'est bon. Alors je vais juste vérifier parce qu'il y a plusieurs versions. J'ai plusieurs versions du jeu. Et la version que j'ai. La version que j'ai, il me dit quand je démarre le jeu qu'il n'y a que les menus qui sont en français. Apparemment, le jeu est en français, je pensais pas. Voilà. Je suis assez surpris. Moi, je pense. Enfin, je sais pas ce qu'il y a de plus que les menus si tu choisis peut-être une autre version. Donc, je pense que je vais juste vérifier. Ah, langue. Ok. Trop bien, il a changé. Ok. Donc j'ai deux versions, je vais aller vérifier vite fait les autres versions. On va juste reload. Ah yes. Yes. Tu peux pas sortir du menu? Si. Il y a encore pas mal de jeux dev. Oui, il y a encore pas mal de. Il y a pas mal de. Que ce soit Mega Drive, Dreamcast aussi, il y a des jeux. Parce que le jeu. Alors ce jeu-là, je crois qu'il n'était pas. Il doit avoir une VA sur les doublages à tous les coups. Ah, j'ai un doute quand même. Hein. Une VA sur Mega Drive? Ah? vraiment? Je crois pas. Donc ça, c'est la Rêve B. Je vais lancer la Rêve B. J'ai la Rêve B, Rêve C parce que les deux étaient. C'était les dernières versions. Et je veux juste voir ce qu'il me dit. Comme il m'a mis warning, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des différences entre les versions? Cela, il me fait choisir. Alors là, il me dit rien, là. Il me dit rien, il me dit rien, il me dit rien. C'est bizarre, il m'a rien dit. Il m'a pas dit attention, il n'y a que les menus. Parce que pour moi, il n'y a que les menus, ça veut dire potentiellement que les. Bah, il n'y a pas les sous-titres, quoi. Tu vois? À propos, il n'y a pas marqué Rêve C ou autre chose comme ça? Félicitations! Merci Tabasco. Merci un peu ton 8e mois, bonjour à toi. Yes, ça fait plaisir. Bon, on va voir de toute façon ce qu'on va faire. On va lancer une partie là. Avec la Rêve B. Je vais juste voir si y a pas des voix, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que les sous-titres, les machins et tout ça. Et puis juste après je relance le. Pas quoi non, quoique j'ai pas besoin. Non, je mets directement la Rêve C et puis on voit. Et hop, c'est bon. Hop hop hop. Part du principe que la dernière version est la meilleure. C'est moi le bijard. Oui, ça va bien, j'espère que toi également. Donc je voulais juste dire, donc le projet, il est, enfin, Pierre Solar est sorti sur plein de consoles, je crois qu'il est sorti sur PC aussi, hein, sur PS4, sur Dreamcast, enfin sur plein de trucs. Et on fait la version. On fait pas la pire version, mais du coup on fait pas la meilleure. Parce que peut-être que sur PC, PS4 et Dreamcast, ils ont des trucs en plus. Hop. Je sais pas. Ah,
tiens, comment c'est? Il y a un truc maintenant. Ouais. Ah, on peut choisir comment ça s'appelle. Ah, bah oui. Logique. Alors. S. Bah oui, bien sûr. C'est la S, ouais. C'est la S. Ah, ouais, non, oui. Ah, ouais, voilà. C'est bien ce que je pensais. La RFC n'a pas les n'a pas le texte en français. Ok, c'est bon. Voilà, on a notre réponse. Parfait, on peut revenir sur la RFB. Parfait, pas de souci. Voilà. C'est super. C'est super, c'est super. Il y a sûrement... Essayez Yoritomo. Yoritomo va vous dire des trucs sur Pierre Solar. Vas-y, parle. Tu sais mieux que moi. Et si tu sais pas, bah... Pff, ça craint, quoi. Ça craint. Ça craint de ouf. Ah non, tu sais rien. Ah bah ça, entre ça et la Master System, bah dis donc, hein. Pas facile, hein. Donc là, c'est bon. Là, normalement... Il n'y avait pas de problème. C'est quoi goodies? Il n'y a pas de goodies. Vous n'aurez pas de goodies. Pas de goodies, vous entendez? Pas de goodies. Pas de goodies parce que... Parce que Yoritomo, il sait pas. Il sait rien. Il sait rien. Il sait rien. Rien. Je connais pas Sega. J'aime pas qu'ils aient Sonic. Ah, c'était en français. Ouais, ok. Par contre, faut que tu sois en français, hein. Ouais, cof cof, ça m'a l'air d'être bien. Voilà, parfait. On a les textes en français. 2010 sur Mega Drive, il y en a qui doivent avoir chaud dans le chat. Axeran, il était pas bien. Bah, il a fait une. Tombé dans les pommes, quoi. Attendez, là, vous savez bien les bonnes couleurs, quand même. Ouais. Ouais, vous savez bien les bonnes couleurs, ouais. Alors. C'est RPG, hein. C'est RPG. Ça va pas durer 3 heures. Hein, voilà. Aujourd'hui, il va falloir aussi qu'on discute. Alors, aujourd'hui, le stream se termine plus tôt, vers midi et demi. Parce que je vais chez le dentiste. Pouf, secours. Et aujourd'hui, il faut qu'on parle aussi de la prochaine saison, parce que c'est le dernier jeu. Donc voilà, il y a pas mal de jeux qui sortent sur Mega Drive et des consoles rétro de nos jours en fait. Ouais, non, je suis étonné que tu fasses un jeu qui soit pas sorti à l'époque, c'est tout. Bah, du coup, on a modifié. Enfin, depuis la nouvelle version de Console Mania, la liste est partie loin. Donc, comme la liste est partie loin. Bah, tout ce qui n'était pas dans la liste peut rentrer dans la liste. Et comme, je suis désolé, je vais dire un truc très dur, sur Mega Drive, des bons RPG... Tu vois ce que je veux dire? Allez, on y va. Alors, si ça se trouve, Pierre Solar, c'est nul, hein. Mais, voilà. Que veux-tu dire? Bah... Voilà, c'est rare, voilà, c'est rare. Il y a des on cherche les perles. On cherche les perles. Tiens. Donc monsieur fatigué. Et madame pas rassurée. Super lead. Ouais, oui. On cherche les perles perdues du Titanic, mais sans bouteille d'oxygène. Oui, mais oui. Mais cherchez, combien il y a de RPG? Tiens, Yoritomo, toi qui connais tout, va chercher sur Google, tu connais tout.
ces cartes. Parce que de RPG, moi je pense qu'il y en a 9. Et encore 9, je crois que j'abuse. De RPG, hein, pas de TRPG. Mais Golden Sun, c'est fait, j'imagine. Non. Non. Bah Golden Sun, le problème, c'est que c'est Game Boy Advance, donc. Ouais, voilà. Les Phantasy Star, ça passe. Pardon. J'ai rigolé parce que c'est sorti tout seul. Ça dépend lequel. Il n'y a pas de capture possible sur GBA. Si, mais. Ah, d'accord. Mon perso, il faisait des trucs bizarres. Si, mais j'attends la pocket. La pocket d'analogue là qui arrive dans. Bah, normalement, qui devait arriver il y a un an. J'attends. Elle arrive, hein? Elle arrive. Alors, course auto, non. Direction assistée? Dans quoi? Comment ça, direction assistée? Percussion. Attends. Mode audio. Oh! Est-ce que je casse tout si je fais ça? Pourquoi FM, PCM? Couleur oxyde? Oh! Direction assistée, clim manuel, bototo. Eh? Ah, waouh! Il y a deux couleurs. Oh bah non, il y a deux couleurs! Qu'est-ce que c'est que ça? Oxyde et nacre. Moi, je préfère oxyde. Hein. Ah, quoique, oxyde, au moins, il a les bons trucs. Donc on enlève la direction assistée, la course auto. Ah oui, tu. Bon, je laisse les percussions, mais le mode audio, je peux pas changer. Allez. Donc ça tourne sur une Mega Drive, hein. Attention, hein. On joue pas sur un émulateur. Enfin, on joue pas. Enfin, c'est. Les mecs, ils ont fait. Oh! Voilà. Voilà. C'est pas un. Que quelqu'un me sorte pas, c'est pas un vrai jeu. Non, parce que bon. Je lui fous une rouste, moi. Hardware d'origine. Oui, bien sûr. Ouais, ça c'est. Ouais, si. J'ai une liste de 19 jeux, donc je sais pas ce qu'il fait. Vas-y, balance la liste au score. Brut. Mais balance-la sur le chat. Et moi je te dis. De toute façon, des 19. Je pense que sur les 19, j'en connais 10. Allez. Là, je. Oula, fou! Je m'engage. C'est un TRPG, Shining Force. C'est pas un RPG. RPG pur. Il y a un problème avec ta chaise? Oui, plusieurs. Donc c'est pour ça que je suis sur une chaise de cuisine. Et donc pour sauver notre papa, si papa sait, ou bref, on doit. Le gamin, il veut aller chercher des trucs, une herbe apparemment. Non, sans papa, il va partir, il va. Voilà quoi. Ouais, je suis comme étoile. Je veux me défoncer le dos là. Non mais la règle, la chaise c'est réglé demain ou après-demain. En tout cas, la traduction française a l'air d'être bonne. Hop. Bon, la maman elle a dit non, tu n'y vas pas. Moi je vais dire regardez ma mère et je fais je m'en fous. T'entends? Je m'en fous. Je fais ce que je veux. Je suis chez moi ici. La fonte est cool, ouais. Ah bah du coup il y en a 4 de moins. Mais vas-y, balance, copie-colle! Pour une fois que je te dis floude! Floude le chat! J'ai besoin de sortir. Oui. Oh, en plus, il y a des séquences comme ça. Ah, oh, mais c'est meilleur jeu. Meilleur jeu.
Et le cliché d'animé, bon, après, ça reste peut-être sûrement un cliché d'RPG également, tu vois. Genre, voilà. Et dans un RPG, bon, voilà, quoi. Enfin, japonais, pardon. Enfin, mais bon, là, c'est typé, quoi. Voilà, quoi. Tu sais. Bon, on y va ou pas? C'est bon, on y va. Il faut acheter des armes. Ah, il faut des armes. Je sais que mon père garde une dague dans son bureau. J'ai un arc et des flèches, mais c'est génial! Putain, ils sont vraiment très forts, hein. Du coup, il y a un manuel. C'est pas con, ça. Bravo, Axeran. Bah, dis donc. Mais c'est qu'il est malin. Pierre Solar. Manuel. Et là, c'est sûr qu'on va le trouver, le manuel. Voilà, je l'ai trouvé direct. Direct. Il a pris le pli. Non, mais très fier de lui. Très fier de lui. Très très fier de lui. Ouais. Il a grandi. Hein. Au début, c'était pas comme ça. Hein. Rigoler, humour, tout ça, vous l'avez. Ouais. Alors, Phantasy Star, Shining Force, Sunstalker. Ouais, RPG, ouais, bon. La légende de. Ouais, Soleil, Warsong, Langrisser 2. J'ai pas fait Langrisser 2, Pierre Solar, du coup. Shining in the Darkness, je l'ai fait. Wonderboy in the Monster World, RPG. Super Edit, RPG. Donjons et Dragons, Warrior of the Eternal Sun, RPG. Is 3, Buck Rogers, Countdown to. J'ai pas vu. Les deux derniers, je connais pas. Tous les autres, je les ai faits. Sauf Langrisser 2. C'est quoi ça, Buck Rogers Countdown to Doomsday? Oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, non, ça c'est pas, non, ça on va pas faire ça, hein. Et Star Cruiser, je pense savoir ce que c'est. Ah non, pas du tout. Jamais vu, jamais entendu parler de ce jeu. Ah, c'est un dungeon crawler? En 3D? Enfin, en 3D. Ouais. À la première personne. What? On dirait les. On dirait Phantasy Star, c'est bizarre. Mais apparemment, il est qu'en japonais. Vidéo de SSI, Extronic. Wonderboy, c'est un platformer, mais il y a du RPG. Ouais, bon. Enfin, voilà, quoi. Alors, on regarde. On regarde. La 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 la. On appuie sur les boutons. On appuie sur les boutons. Ouais. Ah, ah oui, ça coupe tout. Ah, vous avez même plus de son. Comment ça, vous avez plus de son? Bah, qui êtes-vous? Bah, pourquoi vous n'avez pas de son? Bah, donnez-moi du son. Et si je fais ça? Ah, d'accord. J'ai compris. Faut que je fasse ça. Hop. Un peu nul, mais bon. Un peu nul. Pète, pète, pète. Vous avez plus rien. Si, si, vous avez des trucs. Là, vous avez des trucs. Alors, c'est en anglais. Bon, c'est pas très grave en vrai, hein.
Ah si, c'est en français là, mais c'est tellement bien. Donc le jeu est compatible manette 3. Ah, c'est tout petit. Bravo. On sélectionne une nouvelle partie. Nanani détails de l'inventaire, on s'en fout. Il y a des HP et des MP. Des points d'expérience, des trucs comme ça. Options de base, vivi, on s'en fout. Ah, ce manuel est écrit dans votre langue, mais le jeu est-il traduit? Pour le savoir, vérifiez les options de langue. Si votre langue apparaît en gris, cela veut dire que seuls les menus sont traduits. Les dialogues du jeu seront en anglais. Si votre langue apparaît en blanc, cela signifie que le jeu est intégralement traduit dans votre langue. D'accord. Ok, trop bien. Donc, sinon, principe des combats. Dans Pierre Solaire, les combats se déclenchent par hasard. Oh, waouh! Par hasard, serait-ce un RPG? Non. Lors d'un combat, les héros apparaissent à droite de l'écran et les monstres à gauche. Les statuts du personnage. Oui, mais bon, soit. T'as pas la popouette. Oui, bon, ça on verra après. Ah, y'a que ça? Ah! D'accord. Ok. Ok. Bon, bah. On verra après, mais y'a que ça. Y avait autre chose? Oh, c'est en japonais aussi. Le japonais. J'adore le japonais. Ouais. Il y a les crédits en anglais là. Oh, bah eux, ils ont des images et tout! Ne bouffe pas ta Mega Drive, ne bouffe pas ta. Oh là là! Oh là là, la chance! Ils ont plein de trucs! La la la! La 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 la! Pardon. 66 heures, hein. Une image avec 66 heures de jeu? Ah bah bravo! Ça va pas être long. Bon bah. Oh, c'est mignon, il dort sur une cartouche de Mega. Oh là là, c'est pipou. Et on peut jouer sur Sega Nomade. Trop bien! Bien sûr, bien sûr. J'aimerais bien une Sega Nomade. Qui m'en achète une? Allez. Allez, Yoritomo, tu dois en avoir une, toi. Toi, t'es un fan de Sega, toi, t'es un vrai. Hein? Un vrai. T'es un vrai, hein? Fais une cagnotte. Ouais. C'est plus ton anniversaire. Dommage! Oh, à un jour près. D'ailleurs, merci Yoritomo. Parce que, bon, je pense que tu pouvais pas être là genre hier. Tu t'as fait, quoi. Mais j'ai trouvé ça très mignon de quand même m'envoyer ce message. En MP, où tu me disais bien sûr que tu me léguais toute ta collection de jeux vidéo pour mon anniversaire. Bien sûr. Merci. Mais c'est très gentil. Je te le dis en vocal, comme ça au moins c'est fait. C'est un message d'insulte, mais le geste fait plaisir. Oui! Ah, le geste, on aime bien. C'est important le geste. Bon, est-ce que je vais chez mon papa tout de suite? Oh, je peux avancer plus vite. Magnifique. Il me garde du temps pour, ouais, pour pas m'encombrer. Le bro. Non, je suis pas du tout chez mon papa là. Ah mince. Donc faut aller voir le copain. Ah, on a un poteau. Et d'abord papa. D'accord, mais papa peut pas rentrer chez lui là. Pas rentrer dans son bureau là. Bon, est-ce que maman. Devant. Oui. D'accord. Bon, peut-être faut passer par derrière. Hop, déçu. Il n'y avait pas de lore dans le manuel. Si, il y avait un bout de lore, mais c'était en anglais. J'avoue, j'ai pas eu. J'ai la flemme. Il y a un bout de lore. Donc on peut pas rentrer là. On va rentrer là quand même. Du coup. La collecte de Yoritomo, il y a genre 3 jeux dont. Ouais, voilà, il y a ça. Il y a Sonic.
Il est con. Ok, il est con, ouais. Il est content. Ah, c'est un coffre, ça? Non, pas du tout. On peut passer. Des bisous. À tout à l'heure. Tu as ton téléphone, tout ça. Ah, je suis fier de mon petit inventeur. Son travail acharné, il a bien mérité son indépendance. Ah oui, c'est sa mère. Putain, je voyais, t'es un personnage, ça. Au secours. Sa femme dit plus bonjour. Bah, faudrait déboucher les oreilles. Là, j'ai dit bonjour juste quand t'es arrivé, hein. Donc là, ça va plus, hein. Là, ça va plus, hein. Ça va plus, hein. Ça va plus. Tu devrais vérifier si t'es en, si t'es pas en 60 Hz. Au cas où. On est de retour dans la période des chiffres. Ah. T'as eu un client? Ah. Mais il est où son fils? Est-ce que son fils il était... En fait, ça se trouve son fils... Ah, je suis juste débile. Juste débile. Son fils il est juste, il était juste là, fallait passer par un endroit. Et moi comme je suis idiot, on peut courir quoi dans le jeu, c'est vraiment exceptionnel. Hop. J'ai pas vu l'entrée. Ça, y a un... Là, on peut aller plus haut, mais apparemment... Je sais pas, c'est quoi? C'est l'étage, ça? Mais il n'y a personne en haut. Non, il n'y a personne en haut. Ah si, mais il y a des escaliers. Il y a des escaliers. Oh, mais j'ai du mal à... J'ai du mal, là. Il n'y a personne. Ah, du coup, t'as pu tester. C'est tellement fluide maintenant. J'arrive même plus à... D'ailleurs, oui, t'as pu tester. Parce que, à part ce que tu m'as dit maintenant... bah c'est bon, tu dois avoir d'autres... voilà. Ah, il y avait un deuxième étage. Il y avait peut-être un deuxième étage. On pouvait peut-être passer au deuxième étage. Non, parce que c'est quoi à droite, là, il y a des... Non, il y a des escaliers, mais non. Bon. On peut pas rentrer... ouais. Il y a que les portes ouvertes dans lesquelles on peut rentrer. Bon, je le reconnais, il y a une différence qui se ressent in-game. Hein. Je le reconnais, c'est bien. Bonjour. Ah, l'auberge. Non. Ah, il y a un coffre. Caféine. Ok. Non, mais s'il le reconnaît et tout. Mais y a pas de problème, hein. Nous, il nous a dit, il a été honnête, tout ça. L'honnêteté, moi, j'aime bien. Surtout quand ça va dans mon sens. Ouais! Ouais. Ah, un coffre. Vous tenez un arc. Ah bah on est chez la... D'accord. Chez la... Voilà. Allons-y. Mais non, pas allons-y. Moi j'ai pas de pognon. Moi j'ai rien, moi j'ai pas de dague. Hein. Arme. Non. Alors elle, on va lui donner son arme. Équipée. Mais moi j'ai pas d'arme. Comment on sauvegarde, tiens? Charger. Sauvegarder, c'était où? Il y avait un moyen de sauvegarder? Bah c'est justement ce que j'ai fait. J'ai fait des switch. Ouais. On cherchait les armes. Oh, oh, on peut même savoir quoi faire. Oh là 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 là. Si on est bloqué, on sera pas bloqué. Par contre, monsieur. Oui. Celle de l'ange a été construite. Ouais. Mon écran peut monter encore au-dessus, mais je ne sais pas. J'ai qu'une. Ah oui, t'as une 1060, ouais. Ouais. Non, bah non, c'est pas. Enfin, ça dépend le jeu, mais bon. C'est quand tu farmes. Ah oui, c'est quand tu farmes, ouais.
Oui. Oui. 1080p. Un réseau. Tiens, d'ailleurs, j'ai pensé à toi, Bakayep. Tu me disais qu'Enderlilies, il allait faire une Hadès. Bon, apparemment, c'est pas le cas. Alors, je suis pas spécialement content que ce soit pas le cas. Mais je suis pas fou. J'avais pas dit ça au pif. Le jeu est toujours dans les tops de vente. Oui, mais faire une Hadès, c'est pas la même chose quand même. Après que le jeu le mérite pas, ça c'est autre chose. Je m'en fous en vrai, que le jeu mérite ou pas. Mais faire une Hadès, c'était voilà. Je pensais vraiment que ça allait me. Hein? C'est rien. Il mérite pas une Hadès, bah vrai, après ce qui mérite. Qui suis-je pour savoir ce qu'il mérite? Après les ventes, ça se mérite pas vraiment. Les gens achètent. Oui, mais les gens vont pas acheter n'importe quoi. Félicitations! Merci Lorient. Merci pour ton sub. Merci pour ton sixième mois. Merci beaucoup. Yes. Sinon, ça craint là ce que tu dis. Ça veut dire que les gens ils achètent tout et n'importe quoi. Vois, c'est comme si, imaginons, j'achète un écran avec un taux de rafraîchissement de fou. Et enfin, et après tu connais la suite, quoi. Je vais être chiant. Je vais être chiant. Imagine, t'achètes une barrette de 32 Go de RAM. C'est déjà, ça commence pour une belle histoire. Très belle histoire. Par contre, hein, Frozen, si dans un mois ou la semaine prochaine, ça n'a pas bougé, bon, tu me l'envoies ta RAM. Hein. Moi, je m'en occupe. Enfin, je m'en occupe. Ouais, je m'en occupe. Ça se vend pas seul, hein, j'y vais, ça serait facile la vie. Bah oui, mais bah oui. Bonjour, non mais bonjour. Ah, pour picoler, il faut attendre d'avoir 18 ans ou 21. Ouais, d'accord. Boire de l'alcool. Bah dis donc, pourquoi on a rencontré Yoritomo? Ouais. Ah, donc là, on est. On achète quoi? Même pas vrai. Il est où mon pognon? J'ai pas de pognon. J'ai 100 pognons. Bah non, on va pas acheter. Il y a eu de la com, par contre, si c'est pas un succès, il va. Attends, Enderlilies, il a eu un peu de com, non? Il est pas tombé au pif, hein? Si? Donc, du coup, je vais être obligé d'acheter une dague parce que j'arrive pas à aller récupérer la dague de mon papa? C'est quoi? Épée en fer. Ah, mais ça coûte trop cher, en fait. Arc en fer. Ça. Ah! Attends, comment on a entendu parler d'Enderlies en premier? C'est bien passé quelque chose. J'avais pas mis le trailer pour faire joli, non? C'est quelqu'un qui m'en a parlé, si ça se trouve? Je sais plus. Ah oui, mais s'il y a eu des streamers, ça c'est pas pareil, ça c'est pas de la com, ça c'est les gens qui ont joué, ça ne. Bonjour. Vous voulez que je vous en parle? Oui. Oui.
Je suis sale, d'accord. Ah, donc ça c'est les stratégies de combat, oui. 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 Oui, là, tu me balances plein de trucs, j'ai pas vu les combats encore. Arrête! Va prendre un bain, voilà, exactement. Merci. Vous êtes intéressé? Non. Pourquoi la différence principale, c'est RDS? Les médias mainstream ont pris l'aggro, ont pas pris l'aggro sur le jeu, mais point de vue courbe, ça semble être une petite Hadès. Mais elles sont où les chiffres de vente là? Alors, parce que là, une petite Hadès, je comprends pas là. Enfin, je comprends pas, faut me donner des infos là. Oui. Oui. La lecture, oui. Donc, oui. CNMV sur le jeu était pas sponsor, je pense qu'on peut dire, tant de ceci, qu'il a pas eu d'OP. Oui. Faut sourcer, non mais il a bien une source, il a bien un truc là. C'est pour ça il doit pas. Ça arrive, calmez-vous. Trop bien. Mais je trouve toujours pas le laboratoire du monsieur. Ah, là il y a un truc, comment on y va? Hop, hop, hop. Obtenez un objet, ben, super. Je vais faire tout, tout. Toutes les bâtisses, sauf la bonne. Verras, plume. Réduit des dégâts de terre de 50%. Ah ouais? Ah ouais? Vas-y. J'ai acheté. J'ai acheté, je sais même pas à quoi ça sert. Enfin, je sais même pas à quoi ça sert. Je sais même pas si c'est un consommable. Ça se trouve, c'est un consommable vu qu'il en avait 10. J'aime bien l'inventaire comme c'est fait. Pas mal. C'est un consommable? Équipé. D'accord, trop bien. Ah, c'est bien un consommable. Claque son pognon comme un fou. Ouais. Sinon, t'aurais pas fait tous les bâtiments? Bah, là, je les ai pas fait. Pas tous faits, parce que bah, j'ai pas trouvé de laboratoire. En tout cas, moi, les seuls retours que j'ai eu sur Enderlist quand j'ai cherché sont pas extrêmement mirobolants. Dans le sens, bien sûr, les retours critiques, hein, attention. Mais je sais pas, les chiffres de vente, j'ai pas vu. Alors, bien sûr. Enfin, et je n'ai pas cherché bien, et je n'ai pas cherché ce que je voulais chercher, c'est-à-dire je n'ai pas cherché des gens qui étaient d'accord avec moi pour dire ha, non. Mon but, j'en suis pas là. En vrai, je m'en fous. Enfin, en vrai, je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Mais mon but n'est pas de discréditer le jeu parce que j'ai aucun intérêt à faire ça. Mais comme on en avait parlé plusieurs fois, bah ça doit être là le laboratoire. Oh là là, ça doit être sûrement le laboratoire. Mais comme on en avait parlé, bah. Bon. Y a un lore, quoi. C'est bon. Un blond. Donc on a tous la dizaine quoi. Enfin on est dans la dizaine quoi. Nous le perso il a 16 ans. Elle a 13 ans. Non elle a 13 ans. Attends il a dit 13? Non. J'ai mal lu. Elle a dit 13 hein.
Aïe, 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 aïe. Ah, la police. Alors moi j'ai pas pensé à ça, mais oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Oui! Il vient avec nous? Elle vient avec nous? Ah non, il va pas venir avec nous. Pour le coup, source. J'ai fait que le jeu est toujours dans le top 30 eShop depuis sa sortie. Hein. J'ai regardé ce qui assure déjà de très bonnes ventes. Oui. Ok. Bon. Ah bon. Non. Il a combien le jeu? Il a pas, il a, ils l'ont pas le prix. Enfin oui, il parle de d'Enderlys, mais c'est pas possible, cousin. Non, par contre, c'est pas possible, cousin. Ça fait 5 minutes qu'on, enfin ça fait 5 à 10 minutes qu'on est en train d'en parler. Ah, bip bip. Oh! C'est la machine de... C'est le PC de le bébé! Sa bâche à lever alors qu'il est pas là. Non, j'ai juste parlé du PC d'LVV. Ça n'a rien à voir avec LVV. Enfin, je... ouais. Voilà. Tout ça pour qu'il le met... Tout ça pour qu'il nous dise que si on doit partir, c'est avec lui. Allez. Allez, viens. Viens. Le but venait pas du PC déjà, non mais bon. On a eu un doute si ça venait pas de sa tête, si vous, tu vois ce que je veux dire. Allez, ouais, trop bien, il vient avec nous. Ah, et on reprend pas la machine? Attends, what? Bah, copain. Mais t'as une arme? Ah, il a un koutal! Trop fou. Ah si. Trop bien. Elles sont plutôt bonnes de ce que je vois, 86. Oui. Alors, j'ai pas dit qu'elles étaient mauvaises. Attention. Comme j'ai dit, mon but n'est pas de défendre, de démonter le jeu. Hein? Je n'ai aucun intérêt à démonter le jeu. C'est juste que... On parlait d'Hadès. Et Hadès est un succès critique retentissant et un succès commercial également. Donc,
Et je ne suis pas spécialement d'accord avec, avec les critiques en général sur Hades, mais de toute façon ça n'apporte rien dans le sens où bah, je suis pas d'accord, mais bah, c'est pas grave. C'est-à-dire les gens ne sont pas d'accord avec moi, bon, soit. Mais pour Ender Lilies, le fait, le comment on appelle ça, le feedback inexistant, je suis pas fou. Ça a l'air d'être un. Ça a l'air d'être quelque chose qui existe. Alors que dans Hades, le fait que ça soit un peu fouillis, ça part dans tous les sens. Peu de gens. Putain, mais c'est où ? Peu de gens partagent mon opinion. J'ai perdu mon truc pour nettoyer mes lunettes ? Mon truc ? Ah ! Voilà. Hop. D'après le jeu a eu de promo. A pas eu de promo. Il est à 25€ depuis mi-juin. Ok. Ah, il est là le truc pour mes lunettes. Hop. J'ai perdu mon jambon. J'ai retrouvé mon jambon. Sur Steam, il y a eu un pic à 6300 joueurs une semaine plus tard, divisé par 2. Aujourd'hui, le pic avait en 1000. Oui, mais bon, après le nombre de joueurs. Voilà. Le feedback avait l'air nul. Bon, attention, nul. Voilà, je trouve qu'il n'y avait pas de feedback. Feedback sur les coups. Après, nul, ça reste encore à l'appréciation de des personnes qui jouent. Attention, attention. Donc, genre, c'est pas mal pour estimer la hype. Oui, mais c'est normal que la. J'imagine que c'est normal que à la sortie du jeu, le jeu ait plus de joueurs que un mois plus tard. Ça me semble pas illogique. C'est plutôt le pic. Bah je sais pas si 6300 du coup, est-ce que c'est un pic, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. En vrai, je sais pas. Et maintenant on peut rentrer vers papa ou juste aller dire bonjour à papa, non? Bah Death c'était 37k. D'accord. Ah, tu vois Death Door c'est marrant parce que Death Door j'avais l'impression que ça fait beaucoup plus de bruit. Et 3,7. Comme quoi hein. Comme quoi. Allons chercher des armes. Mais oui, mais le problème, c'est que je peux pas rêver. Ah, mais... Oh ah, mais la porte. La porte. Je suis nul. Et l'arme, elle est là. J'ai le couteau là. Faut vraiment regarder. Hein. Allez, c'est bon, on a tout. Hop. Inventaire. Death Door, faut que je le prenne. Hop. Et il est sur jeu, sachez-le. Hein, voilà. Si ça vous intéresse. Enfin, si vous voulez sans DRM, tout ça. D'accord. Il y a un truc bizarre parfois quand l'écran disparaît, enfin quand ça change d'écran, il y a une sorte de petit, enfin de petit, il y a des trucs bizarres. Voilà. C'est bien, hein, ce que je dis. Forêt. Pont. C'est jouf. Il y a un code créateur, non? Ah non, non. Du tout. Ah bah il est peut-être sur Games Planet, Death Door. Sur Games Planet. Il est peut-être moins cher. J'ai un doute, mais... Ah si, Death Door, il est sur Games Planet.
Mais il est au même prix que... Ouais. Ah bah il y a, oui, y a le lien de Celdel si vous voulez. Voilà. Sur GOG. Voilà. Donc on doit aller dans la grotte, mais il y avait pas, on pouvait pas y aller. Moi, je, oui. Je crois qu'on s'en fout pour l'instant. Peut-être faut passer par la forêt pour aller dans la grotte. Parce qu'il y a plein de, bah ouais, allez. Ouais, il y a des petits, des petits artefacts en fait. Ah, on va se battre? Non. Non, c'est juste des lapins au pif. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, on peut jouer en auto. Trop bien! Je peux ne pas jouer. Trop fou. Exceptionnel. Qui inventaire magie? Donc j'imagine que j'ai pas de magie. Je peux pas attaquer les ennemis dans les airs. Tu peux faire comme Sonic Unleashed et bouger là et bouger ma manette comme ça? Non. Aquaro? What? Ah mais c'est la fille. Ah oui, là c'est la fille. Hop. Et lui, bah on va le. Ah quoique peut-être qu'il peut faire un stone. Ah! Je peux balancer les cailloux. Ok. Ok. Bon. Sympa. Alors reculer, ça voulait dire quoi? Ça veut dire... J'imagine de pas prendre l'aggro. Ouais, c'est joli. Ouais. Moi, je peux me défendre. J'allais dire que le pixel art il est sympa. C'est pas celui que je préfère. Alors vous allez dire, what, mais t'es sérieux, sapin? Ouais, c'est pas celui que je préfère. Bah, parfois j'ai l'impression de pas arriver à distinguer tous les environnements et tout. Ouais. Mais il est joli, il est joli. Ou alors il manque peut-être un peu de contraste, oh, je sais pas, non, je pense pas. Oui, pour de la NES, c'est pas mal. Hein? Cousin? Bah. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, mais bait, stop. Bah, il est pas comme ça, cousin, quand même. Enfin, il met des formes un peu. J'avale la ligne. Secours. On va mettre auto pour voir. Donc là, c'est pas moi qui joue. Bah, ça se voit d'ailleurs. Ouais. Oula. Plus 1. Ah, ça fait juste un tour. Qu'est-ce qu'il a fait le... Pourquoi il a... On va reculer d'ailleurs. J'aimerais comprendre ce qu'il a fait avec son ki là. Concentré, don de ki. Est-ce que tu penses que c'est ce que je pense? Contre les bruits de Sonic, bon. Est-ce que en gros, là, je peux faire deux attaques? Là c'est quoi? Non.
Je passe que celle que malheureusement. Parce que là j'ai un Anki. Non, c'est pour d'autres trucs. Ah, je me suis dit, t'imagines, on peut tu peux faire peut-être plusieurs attaques en une fois. Et, mais bon, c'est pas le même jeu. Voilà. Donc, cousin, tu baites comme ça, là maintenant, de manière gratos. Hop. Ça y est. Genre, jusqu'à là, je t'ai fait confiance. Je t'ai même finalement rendu la vue. Et rien que ça. Et là. Voilà. C'est la... c'est ce qui se passe. Voilà, voilà. C'est à peu près où on va. C'est à peu près... ouais. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Mais du coup, concentré, bah, ça m'a donné un point de ki. Mais pour l'instant... bah, depuis que j'ai le 140 Hz, je suis devenu un autre homme. Ouais. Dommage. Tu pourrais être, t'aurais pu être devenir sympa. Enfin, plus sympa. Je crois que je préfère à 60 Hz. Hein. Excuse-moi. Alors. Bah on va essayer de concentrer, hein. Alors je pense que c'est pas si malin que ça de mettre le personnage qui a l'arme à distance devant. Faut pas être ouf. Ah, tu peux pas attaquer. C'est... reculé. Si, si, elle peut attaquer. Et lui, du coup, si lui, je le mets en défense, c'est lui qui prend les coups. Attends, what? Il a un contre? Il avait un contre. Le bruit de tiroir caisse de Sonic, ouais. Bravo. Tu... oh, ouais, voilà. Ah non, Akbado, pas de ça ici. Hein. Attention. Pas de ça ici, s'il te plaît. Qu'est-ce que l'homme pourrait rendre son PC à cousin? Ouais, ça. L'autre homme, ouais. C'est sympa ça. Est-ce que l'autre homme pourrait rendre son PC à cousin? J'ai pas envie d'écouter la musique pour pas me dégoûter alors qu'elle est bien. Comment ça, pas te dégoûter? Parce qu'on va l'entendre tout le long? On sait pas, hein, ça se trouve, les musiques de. Les musiques de. De combat vont changer. Attends. Une petite herbe. Ah, il y avait un truc en bas. Dommage. Alors, moi je vais me mettre devant. Quand même. Hop. Et lui, bah, il a l'air d'avoir fait un truc de fou tout à l'heure. Mais comment il fait ça? Moi, je veux savoir sa technique, hein. Faut que je regarde. Est-ce que défense provoque obligatoirement une un contre? Faudrait lire le manuel. Ok, il y avait rien. Si quelqu'un a le manuel, ça serait vachement cool.
Ah, mais j'ai aussi les. C'est pareil que ça. On peut balancer des cailloux. Oh, du calme. Oh, par contre, je prends aucun coup. Hein. Enfin, je prends rien. Ça fait tellement pas mal. Alors que le gamin, bon. On va peut-être le mettre derrière. Bon, on sait pas, mais il a l'air d'être petit aussi. Ah! Non! Non, il y avait un truc! Je sais pas si c'est là qu'il faut aller. Oui, c'est là. Enfin, c'est là. Oui, on peut revenir ici. Tenez, caféine. Super. Ah bah non, bah on a visité la... Ça y est. Bah c'était bien. Bah dans la forêt, bah il n'y avait pas de grotte. Peut-être que dans cette forêt-là, il y a une grotte. Ah. Oui. 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 Non. Bonjour. Oui. Oui. Ah, capturer les lapins. Non. 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 Pourquoi faire la chasse au lapin comme ça? Ah, 30 secondes! Oui, mais attends, du coup, le mec il te dit va chercher des lapins et toi tu dis ok. Trop bien! Ça va vite? C'est-à-dire qu'il y a peut-être des quêtes secondaires? Oh, mais je suis en train de me dire. En fait, le jeu va totalement être moderne dans ses mécaniques de gameplay. C'est exceptionnel. Vous n'avez pas l'expérience de chercher. Revenez quand vous serez à la hauteur. Hein? Comment ça, mais t'es qui? Non, mais attends, tu te fous de ma gueule? Je viens d'en choper au moins une dizaine de lapins là. Je vais y retourner peut-être. Ah, c'est bon. Peut-être faut tous les récupérer. Il y en a un de l'autre côté. C'est le temps. Ah voilà, j'ai gagné là. Tapez les tous. Ouais. Oui, ils sont tellement mignons et du coup, il va pas les bouffer. Trop bien. D'accord. Excusez-moi, je vais aller me taper la tête contre un... Bah, pas parfait. C'est vraiment trop bien. Potion plus. Oh. Same skinhead. Trop bien. Bon bah cool, mais ce coffre là jamais de la vie quoi. Bon, il y a un coffre là, j'avais pas vu. Potion. Mais t'es sûr que celui-ci on l'ouvre pas là? Ouais, on fait pas le.
Bah, on va peut-être à la ferme. Peut-être c'est plus loin, c'est vers le, ouais, vers le pont. Là, on se balade, mais. Oui, bah, c'est très bien, c'est très bien. C'est vraiment, je suis très très content. Et du coup, ce que j'ai chopé, il doit sûrement avoir un truc de protection. Ramène un mort avec la vie. Ah, ok. Soigne du sommeil et du poison. Ok. T'as pas un moyen de brûler, couper? Non. Sinon, le jeu me l'aurait dit, je pense. Bonjour. Oui. Comment ça? En 5 minutes. Bah, attendez, arrêtez de. Je veux bien un mini-jeu, mais pas 800. Ah, dégagé. Ah, d'accord. Ok, bon. Trop bien. Je lui ai dit pas de mini-jeu, fait ok. Ok. Pas de mini-jeu. Cousin, il va avoir des problèmes. Hein. Moi, je vous le dis, cousin, il cherche. Ça va partir en pugilat, ça. C'est sûr. Bonjour. 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 Ok. Alors, ce n'est pas là non plus. Et le QG, bah je. Oui. Y a des coffres. Cuirasse. Oh! Ah bah moi qui voulais acheter une cuirasse tout à l'heure. Bah on va lui mettre à Edesso, ouais. Parce que nous on avait une bonne protection, hein. Ouais, on est sympa. Oh, je suis sympa, hein. Ouais, je suis sympa. Ah non. Oui. Oui. Bonjour. Ouais. Donc là, ça va être sûrement pour acheter des armes, vu qu'il y avait. Ah non, c'est juste une. Ok. Bon, pour l'instant, il semblerait hein, que le jeu. Bon. C'est un RPG tout à fait classique. Oula! Bonjour. Bonjour, bonjour. Pour 100% au quêtière, ouais. Ouais. Peut-être un peu, je pense que ça va être un peu trop verbeux. Assieds-toi. Ah, il faut aller chercher le pognon. Vous êtes dans la forêt, vous trouvez mon trésor, vous me le ramenez, on oublie tout ça. Ah.
Oui, on aura peut-être. Simon, j'ai lu le mot merde. Alors, je pense que t'as lu d'autres termes aussi. Clé dorée, ok. Allez chercher mon trésor. Voilà, tiens, tu peux faire un autre screen. Donc, eh bien, on est allé. Enfin, on doit y aller. On y va. Ça va être pire, bien sûr. Je sais plus. Bon bah c'est reparti pour la forêt. Alors c'est. Est-ce que c'est. Est-ce que. Ouais, on était déjà pas mal, ouais. Ah, Yoritomo, il a retenu, hein? Il a retenu ça, hein? Ah, je savais, de toute façon, Yoritomo, il est. Il est quoi? Bah, vous voyez ce que je veux dire. Je viens de faire exactement le même. On rigolait pas chez ces gars. C'est-à-dire. Attendez, j'ai l'impression. J'ai un truc là. Je tiens un truc là, je crois. Ah bah attends, c'est ça? Je suis sous de ma gueule. En faire tout le tour? J'arrive. Vas-y, on se met en auto. Donc là, 13, 13, moins 3, moins 3. Mais pourquoi moi je prends rien? Alors que c'est lui qui a la cuirasse. Non, mais. Faut m'expliquer. Donc là, hop. Il a utilisé la potion tout seul. Ok, bon, je vais arrêter en auto, hein. Allez. Hop. Fini l'auto. De toute façon, j'avais pas la direction assistée, donc ça sert à rien, ma blague, tout ça, l'humour. Vite, rigolez. Vite! T'allais la faire? Ah là là. Dommage. Merci. Voilà. Vaccin. Ah! Comment ça? Ce qu'il appelle un trésor. Ouais. Très actuel ce jeu. Hein. Très très actuel. Sega n'a rien à voir avec ce jeu. Oui, mais j'attendais en fait que il se trouve on s'était mal compris tout ça, ce qui tu sais, avec cousin, c'est pas si souvent qu'on se comprend en fait. Et du coup, on se voilà, enfin, voilà. Et du coup, je posais la question. Oh là, il y a une araignée. Oh là, oh là, oh là, non, je vais pas me faire wipe, hein. Oh! Perso, je te comprends tellement. Oui, mais on t'a parlé, là. Est-ce que t'as lu? J'ai un doute. Mais c'est trop bien. Là, je me fais défoncer.
C'est quoi qui réveille, c'est ça? Non, mais touchez pas moi, hein! Bon, bah, il est déjà réveillé du coup. Dommage. Allez. On essaye de s'en sortir. Les combats avancent assez vite, c'est assez cool. Oh, je vais tellement avoir masse d'XP. Bon, je pense qu'on peut se mettre en auto là. Ah, même les ennemis peuvent reculer. Ok. Ah, 10-12. Ah, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Oui, t'as lu. Il allait un peu dur le jeu. Voilà. Ah, on peut sauvegarder. C'est bon. Oui. Parfait. Qu'est-ce que je voulais regarder? Oui. L'expérience 229 sur 236. Vu qu'il prend quasiment pas de dégâts. Ouais, alors là, je me suis quand même fait bien ouvrir, hein. Je pense que j'ai eu un peu de chance. Ah, faut faire le tour. Faut faire le tour vers la gauche. On va viser le même. Bon, je suis sauvegardé donc c'est pas trop grave au cas où. Pas besoin de réveiller mon perso, de toute façon je peux pas. Tu dois avoir une chance que en se reculant, tu te fasses pas toucher par tu te fasses pas toucher. Enfin, ça doit réduire tes chances, mais c'est pas à zéro. Sinon, ça serait trop facile. Bien sûr. Je sais que c'est un truc moderne, mais personne l'a eu l'idée avant. Bah si. C'est. Si, non? Si? Ah, j'ai gagné un niveau. Yes. Ils ont tous gagné un niveau. Est-ce qu'on a récupéré notre vie? Un jeu Mega Drive? Non. Non. Oh, on récupère pas notre vie. Les bâtards. Bande de bâtards. Tous des bâtards. Du coup, je peux sauvegarder à chaque combat? Alors, je veux bien que ça soit moderne, mais quand même. Avantage. Ah, on a l'avantage. Ça va peut-être. On va peut-être s'en sortir. On va peut-être pas se faire bourrer. Trop bien. On va pas se faire bourrer. En plus, c'est rapide et tout. Enfin, je suis. Ouais. Oh là là. Trop bien. Plus, je gagne tellement de pognon. Salut bébé. Alors, levez toute personne qui va te dire qu'on a mal parlé de toi. Déjà, c'est mensonge. Ah, mais là, la grotte. C'est ici, vous êtes prêts. Ah. Je suis pas prêt, hein. Donc, c'était bien dans la forêt. Non, mais on peut pas y aller. Moi, je veux pas y aller, hein. Ah, d'accord, trop bien. Non, je veux pas.
Je vais aller me soigner. Si vous le voulez. Le jeu est joli, ouais. Le jeu est joli, ouais. Ah, du coup, en fait, oui, ce qui se passe là, c'est pour ça que j'ai pu attaquer. Moins 30. Ok, j'ai pas tout bien regardé ce qu'ils étaient capables de faire. Concentré, magie. Ah, la magie des heals. Ah ouais? Moins 30, ouais. Alors sache, c'est drôle parce que j'ai eu comme toi. Ah! J'ai eu comme toi l'envie de faire Golden Sun il y a plusieurs années quand même. Comme ça. Enfin, maintenant. Ça date un petit peu. Alors, attention. Écoute-moi bien. Regarde bien ma bouche. Parce que si tu comprends pas, ça va être problématique. Ça. Pas mal vieilli, mais. Bon. La dernière fois que j'avais fait Golden Sun, bah je l'avais fait, je pense, dans la sortie. À la sortie, enfin. À l'époque de où le jeu est sorti. Ouais. Bon, je me suis pris peut-être un petit coup de nostalgie pas ouf, quoi. Voilà. En fait, il est trop verbeux, je trouve. Bon, ça n'a rien à voir avec le Avocado Blast. Je vais essayer avec obligatoirement le fait qu'il ait mal vieilli. Mais ouais, j'étais un peu surpris. J'avais zéro, j'avais pareil. Hein, c'est un de mes premiers. Le premier reste Tales of Symphonia, mais quoique je sais pas. En fait, il faudrait faire la. Je sais pas. Point RPG, je trouve pas forcément. Ouais, bah pour moi, hein, après c'est bien sûr. Je suis pas tant un. Je suis pas Mon expérience des RPG est pas non plus folle, hein. Donc ça doit jouer, hein. Ça doit jouer, ça doit jouer. Hop. Donc lui, il a quoi comme magie? Il a rien. Il a R. On va regarder l'histoire de. Ça, on parle bien du Golden Sun GBA ou des deux jeux épisodes DS? Bah, du premier Golden Sun. Premier. Pas bien du premier. Je veux sortir de là. Merci. Il l'aime, mais bon, par rapport à un DQ, c'est rien, quoi. Non, mais ça y est, va pas faire le. Nous balance pas ta confiture, tu t'appelles Frozen maintenant? Ça y est. Oui, ils sont précieux. Donnera pas le trésor, bah tiens. Non, mais sur GB, il est pas verbeux. Il le croque, on va pas commencer. On va pas commencer quand même. Si? Est-ce qu'on y va là? Tu prends ton paquetage? On y va?
C'est sûrement qu'une impression sur GBA, les fenêtres sont plus petites, donc la même ligne prend plus. Oui, non, mais là, disons que voici la bonne chose. Alors regardez, bonne façon de faire. Non, bonne façon de faire, c'est ah ouais, tiens, tu dis ça, sapin. Ah bah, il faudrait peut-être que je regarde. Voilà. Donc ça, c'est la bonne façon de faire, tu vois. Mauvaise façon de faire. Ah non non, pas du tout. Le jeu est exceptionnel. Voilà. D'après vous, où Yellow Croc se place? Allez, allez, trouvez, n'hésitez pas, c'est facile. Ouais. C'est drôle. Merci! En plus, le pire dans tout ça. Le pire, c'est que j'ai dit. Je l'ai dit, c'est sorti de ma bouche, tu vois, là, ici, là, là, j'ai un, une bouche. J'ai dit que j'avais rejoué au jeu il y a quelques années parce que c'était à l'époque, je pense que c'était à l'époque c'était à l'époque de vers la fin, enfin vers la fin de Gaming Live ou juste après, parce que j'en avais parlé avec KD. Donc voilà. Et j'étais assez ambiancé, sachant que vraiment c'est un jeu que j'avais et que j'avais trouvé exceptionnel. Pas exceptionnel, que j'avais trouvé très bien, parce que exceptionnel bien sûr. Quand t'as 12 ans, voilà. Là non, ouais. C'est le good gift. Et j'ai un peu déchanté, j'ai un peu déchanté. J'ai un peu déchanté, c'est Yamé. Voilà. Et je peux pas le mettre dans Console Mania, mais vous faites exprès. La GBA, elle est où la GBA? Elle est où? Elle est où? Sors là, elle est où? Hein? Je la vois pas. Vous faites exprès, vous faites exprès, vous faites exprès. Vous faites exprès. Appeler les gardes, ne rien faire. Si je fais rien, est-ce qu'il va me défoncer? Tu l'as quand même tué quelqu'un. Oui. Malheureusement, la nostalgie, parfois, ça amène vers des choses, machin. Donc, mais là, quand même, j'ai dit que c'était peut-être ça. En tout cas, ma nostalgie m'a mené vers, bon, voilà, quelque chose que finalement j'ai moins, ça m'a moins ambiancé, mais à la limite testé. Voilà. 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 Est-ce que vous voyez ma jambe là? Non, vous voyez pas ma jambe. Mais là, oui. Voilà. Enfin, ma jambe, mon genou. Ah là là. Et non, je ne suis pas en slip. T'as encore des genoux? Ouais. Garder le trésor, je n'en veux plus. Parfait. Et rester hors de ma maison, parfait. Ça devient un guichet, je sais. Je sais, je sais. Bah c'est... si imaginons on s'ennuie trop, je vous montre... voilà quoi. Donc... C'est quoi la console qu'on attend déjà pour faire les jeux Game Boy? La Pocket d'analogue. Qui devait sortir en 2019. Mais ils sont un tout petit peu en retard. Tout petit peu en retard. Tout petit peu en retard. Voilà. Est-ce que j'appuie bien sur tout petit peu en retard? Je suis pas sûr. Vaccin, protège du poison. Bah super. Ah, c'est un accessoire! Oh! On va le donner à la... au heal. Donc là, j'ai récupéré le vaccin. Bah voilà. J'ai mon passe sanitaire. Ouais, c'est bon. J'ai failli dire que j'avais mon passe stationnaire. Mais c'est pas la même chose. Attends, tu sais, c'est quel jeu qu'ils mettent en embed sur leur site analogue pour la Pocket? Golden Sun? Je sais pas en vrai. Mais je crois qu'il doit avoir Golden Sun, ce serait pas idiot. Bah oui, bah voilà. Magnifique.
Donc, là, on va retourner à la ville, on va se soigner, aller chercher de la. Peut-être même. J'ai masse de pognon, donc on va peut-être s'équiper et puis on s'en va. Et on va dire, on va dans la grotte, quoi. Mais la pocket, mais. Non, moi, c'est octobre, là. Octobre 2021. Mais bon, octobre, ils vont l'envoyer en octobre. C'est fou quand même de se dire que pour la pocket, j'aurais attendu plus longtemps que la version boîte de Céleste. Pourtant, la version boîte de Céleste, attendre 1 an et demi, c'était déjà beaucoup. Mais c'est fou. C'est fou comme ils arrivent à repousser. Ouais, ils repoussent tout. Bon, après, il y a des raisons, hein. Bien sûr, le chip shortage, c'est pas du flan. Mais quand même. J'ai combien de pognon? 412. 412, ouais. Non, on va acheter de l'équipement, c'est mieux. T'as déjà prévu d'inclure les jeux GBA? Oui, parce que, en plus, et attends, mais parce que si, avec ça. La console, la console analogue, normalement, j'ai bien dit normalement parce que peut-être qu'il y a des trucs que j'ai mal compris, mais c'est pour ça, je pense qu'il y a des trucs que j'ai mal compris. Normalement, ça supporte les jeux. Game Boy Color ainsi Game Boy Advance de base, mais aussi tu peux faire tourner les jeux PC Engine. Donc, je me dis que si tu peux faire tourner les jeux PC Engine, pas besoin d'avoir une console PC Engine. Ah, ça fait aussi tourner les jeux Game Gear, Neo Geo Pocket et Atari Lynx, mais autant te dire que les. À part la Neo Geo Pocket où il y a 3 jeux peut-être que j'ai envie de tester, la Game Gear je m'en fous parce on peut jouer sur la. On peut le jouer là sur la. Sur la Mega SG. Bon, la Lynx. On s'en tabasse, tu vois ce que je veux dire. Pas parce que c'est nul. Enfin, plutôt, je m'en tabasse. Pas on, parce que on, non. Mais je m'en tabasse moi parce que j'ai pas de lien avec. Vu que t'es en short, tu vas pouvoir gérer et faire tourner les jeux PC Engine. J'étais obligé. J'étais obligé parce que je vais m'énerver sinon. C'est affreux. Après 2020 de base, faut se dire que ce qui est repoussé. Oui. Oui. C'est pour ça que j'ai dit, vu qu'il y a le chip shortage, oui. Après, le problème, Bakayev, vis-à-vis d'Analog, c'est que c'est des gens qui attendent le dernier moment pour te donner des infos. Voilà. Et ça, c'est le pire. Parce que le chip. Enfin. Je pense que eux savaient très bien qu'ils pouvaient pas balancer les consoles à ce moment-là. Mais ils ont quand même attendu pile. Ils ont attendu 1 mois avant la sortie pour dire on peut pas. Et puis après, la deuxième fois, ils ont attendu à peu près 1 mois avant la sortie, on peut pas. Et là, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en septembre, les mecs écrivent on peut pas. Donc ça sera en 2022. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, j'attendrai. Hop. Hop. Est-ce que je peux vendre? Oui. Ah, moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai payé. Donc, voilà. Déjà, on sait tous qu'il y a un jeu à faire en priorité sur la Pocket, Super Mario Land. Non. Désolé. Désolé, désolé. Après, si vraiment c'est des jeux Game Boy, on pourrait en faire. On pourrait en faire de manière très simple. J'ai pas besoin d'attendre pour faire des jeux Game Boy et Game. Enfin, juste Game Boy. Parce que j'ai une. Il faut juste que j'achète le. Si j'achète le Super Game Boy, sachant que j'ai un Everdrive.
pour la Game Boy normale, bah on pourrait les faire. C'est pas un problème. Mais voilà. C'est pas qu'une excuse de temps, hein. Non, oui. Je le dis parce que on sait jamais. Que vous me dites, oh là là, je suis pressé. Non, on a le temps. Il y a déjà tellement de jeux. C'est Joris. Salut, salut. Je suis pas Super Mario Land, c'est juste que j'ai pas de. Bon, voilà. Ok. Hop. J'ai pas spécialement d'accroche. Je l'ai fait. J'ai trouvé ça ok, c'est tout. C'est la strat du crunch ça à fond, en croyant que jusqu'au bout que tu arriveras, puis en dernier. Ouais, tu communiques tard. Ouais. C'est juste ça qui me fait chier. C'est tout. Y a pas un Wario Land qui est sympa sur GB? Bah, tous les Wario Land en fait, je crois. Tous les Wario Land sont bons. Autant attendre la pocket, is ok. Bien sûr, autant attendre la pocket. Bien sûr. Bah, c'est ce que je fais, hein. Je vais faire ce que je fais. J'aimerais bien une cuirasse. Oui. Ah non, ça c'est le papy. C'est le best jeu. Ça y est, mais il ne s'arrête jamais là. Ça y est. Ça y est, là Yellow, il est en mode bam 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 bam. Il balance les takes, en veux-tu en voilà. Une take dans la poche, une autre là, bam, dans le slip, trop fou. Ça y est. C'est exceptionnel. Dans pas longtemps, il va vous parler de tous ses gothies. Vas-y. Vas-y, vas-y. Lâche-toi. Ça, c'est l'auberge, donc on va s'arrêter à l'auberge, oui. Oui. C'est Kalios. Tu pourras faire les Final Fantasy Legend. Ouais. Ouais, oui. Tant de cannes à pêche pour un seul homme. Non, c'est pas des cannes à pêche. Attention. Attention, attention. Il bait pas. S'il dit quelque chose qu'il pense, c'est pas un bait. C'est juste que les c'est pas quand je parle de take, bah des takes, c'est le, enfin tu peux pas faire plus clair avec le terme. C'est il balance un truc et il s'en fout de qu'est-ce que ça peut faire ou qu'est-ce que la réception. Lui il s'en fout. Il balance la max dans 5 minutes, il va vous dire que Tales of Symphonia c'est le meilleur jeu de la GameCube. Voilà. C'est ça. Ça veut pas dire qu'il le pense pas. Ça veut juste dire que. Bon, il est. Ça y est, quoi, il a. Il a juste déboutonné son jean, quoi. C'est ce que je veux dire. Après, il peut déboutonner son jean, hein, il fait ce qu'il veut, hein, il est chez lui, mais bon, après. Bon, j'avais pas spécialement envie. Comme ça, tu vois. Alors, j'ai pas assez pour une protection. Ah non! Je peux peut-être vendre. Ah, c'est chiant. Parce qu'on n'a pas acheté d'herbe. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les farmer un peu. Je suis un amorceur de débat. Non. Non, c'est pas ce que j'appelle. J'appellerais pas un amorceur de débat. C'est que parfois. Alors, c'est pas du damage control, hein, parce que du damage control, ça serait autre chose, ça serait plus grave. Mais. Comment lui dire? Il nous invite à réagir, oui, voilà.
Voilà. Hop, un antidote, très bien. Je l'ai, enfin, le jeu a l'air d'être très très sympathique vis-à-vis de la vis-à-vis de la de l'exploration. Très content. Footeur de mode plus qu'un footeur de merde. Bah moi je dirais peut-être pas ça comme ça, c'est pas sympa. Après, est-ce que je le pense? Non. Pas exactement, pas toujours, parfois. Mais non, ça va. En général, fouteur de merde, ça va. Ça va, ça va. Ça arrive, c'est arrivé, c'est arrivé. C'est arrivé, mais ça va. Provocateur, voilà. Provocateur. C'est le terme peut-être le plus qui me semble le plus juste. Les copains. Hop. Donc là on cherche du pognon. Un agitateur, un animal, tout ça bien sûr. Continuez, n'hésitez pas, hein, la musique. J'adore la musique bien sûr. Mais après, voilà, Yellow a 12 ans. Quand il parle de certains jeux vidéo, parfois il a 12 ans. C'est tout. C'est ça. C'est on peut pas faire on peut non mais c'est ça en fait, c'est ça. 12 ans. 12. 12 mon gars. Donc quand même le perso, un des persos, le blond là, il se bat avec un fer à souder. Voilà, quand... Parfait, merci. C'est très bien la phrase. C'est non, Yellow Croc vraiment. Ah, non, mais c'est quoi, j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix. Voilà. Je vais noter ça. Je vais mettre. Je vais l'appeler la Yellow Vérité. Voilà. La Yellow Vérité. Très bien. Juste, on vérifie ce qu'est la concentration, si vous le voulez. Non, mais c'est très bien ce qu'il a dit. C'est très bien. Je suis très content. Voilà. Très content, très content. Comment ça marche? Alors, Polar Battle System has a unique feature. Battle character to gather their energy in between rounds. Gathering field. Donc c'est ça, concentré. Gather bar and explosion increase your power. Ah, plus tu concentres, plus ton attaque fait mal. Ok. Bah, ok. You can share energy among your party. Ah, et c'est pour ça que tu peux donner. Voilà. Donc le jeu date de 2010, hein, pour pas que quelqu'un dise ah oui, mais c'est comme ce RPG-là. Non, 2010. 2010. 2010. Mais c'est ce fameux jeu sorti il n'y a pas si longtemps. Ah ouais. Ouais, bah Kalios, il commence à oublier un peu. Vous savez, il est un 30, 48 ans, 38, 48. J'arrive plus à savoir 38, 48. Je suis perdu. Il s'est inspiré de Secret of Mana. Oui. Ah bah je pense oui, ça serait pas choquant. Je sais pas, à 38, 48, combien? 58 peut-être. Ouais. Mmh.
peut-être. C'est parce qu'on retire moi. Arrête, il vient de m'envoyer un MP, il est d'accord avec moi. Pardon. Non, je mange pas. Hop. Pouette, 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 pouette. Hop. Donc j'arrive pas à savoir parce que là parfois il y a divisé par deux. Mais divisé par deux, c'est-à-dire. C'est pas clair. Ce que je suis en train de faire ne sert à rien. Je suis presque sûr que ça sert à rien. Mais bah, j'ai pas envie de die comme un nul. Voilà. Ce serait con. Je sais pas la difficulté du jeu. Pour l'instant, ça va. Mais tiens, je vais essayer de me concentrer et le passer à. À la fille, je sais pas comment elle s'appelle. Je vais me concentrer aussi. Ah mais oui, oh, tu peux. Est-ce qu'on peut faire? Oh, ça serait génial ça. Se concentrer et donner que deux persos donnent leur concentration de ki à un autre perso. T'as juste la chance que ce soit le jour où mon aide à domicile vient. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, j'ai de la chance. Hop. Ah, je peux faire ça. Et il lui a tout donné. Il lui a donné pas un, mais deux. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. 117. Ok. 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 Combien j'ai de pognon? Le pognon. L'argent. Le flouze. 193. C'est pas mal. On va sauvegarder. Et on y va. Est-ce que c'est par là qu'on puisse, on peut sortir? Oui. Mais ouais, non, le système de combat est cool. Et si vous le trouvez jeu cool, hein, il est là devant vos yeux depuis 10 ans. Hein. Depuis 10 ans, le jeu, il vous regarde et il vous dit, bon, on y va ou pas, là? Depuis 10 ans! Qu'est-ce que vous attendiez? Vous attendez, pardon. Oui, non, ça passe. Bon, alors, bon, je sais pour que Yellow Croc, lui, il attendait rien, vu qu'il est plus... Il préfère dire que tous les jeux auxquels il joue plus actuellement, ils sont GOTY. Une Mega Drive? Ça tombe vachement bien, ce que tu dis. Parce qu'il est sorti sur tout. Non, je suis très curieux de savoir comment ça tourne sur d'autres consoles. Non, je suis assez d'accord avec Draven, ouais. Graphiquement, ouais, le pixel, ouais, ouais. Je trouve pas spécialement... il est pas moche, loin de là. Mais... ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est joli. Enfin, c'est joli. Visuellement, ça jure pas. Voilà. Je trouve que c'est... Ça va, c'est pas... Ouais. Mais c'est pas... C'est pas ce que je préfère. Voilà. Oui, je suis curieux de savoir le son. Très curieux, comme cousin. Ouais. Hmm.
Mais c'est... Ouais. Allez. Est-ce qu'on peut en acheter plus qu'une? Non, faut acheter comme ça. Hop. Je vais vendre quand même une... un truc au pif. Je peux vendre un caillou. J'ai vendu un caillou. Juste pour avoir assez. Non. Parfait. Oui. Oui. Quoique, on est tous bien là. Ouais. Allez, go. Similis, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. On a tout visité là. Hein. On n'a pas visité le pont. Tiens, il y a quoi au pont? J'ai des features de gameplay intéressantes jamais vues. Le système de concentration est jamais vu. Peut-être en 2010 moins. Mais aujourd'hui, peut-être pas. Des pièces d'or? Oh. En gros, tu peux concentrer ton énergie. Pour donner des, pour faire des plus gros coups, voilà. Il y a des énigmes, pour l'instant non. Enfin, en tout cas, je suis pas tombé dessus. Alors, je pense que le jeu va m'arrêter. Il va pas me laisser partir. Bon, il est en quarantaine à cause de la peste. Ok. D'accord. Déjà fini Sonic? Non. Non, c'est pas la bonne saison. Là, c'était le jeu d'avant. Le jeu d'avant Pierre Solar, c'était Pushover. Alors, après, là, le problème avec. L'eau, c'est que si je mets le dithering, ça doit être plus joli. C'est où? Alors je sais plus où c'est. Peut-être dans vidéo. Ouais. Buffer, extra feature, enable design. Ouais. Là. Est-ce que c'est plus joli? C'est un peu plus joli. C'est un peu plus joli. Ouais, c'est un peu plus joli, ouais. Enfin, c'est un peu plus joli. C'est un peu plus. Ça fait l'effet escompté, quoi. L'ombre ressemble plus à une ombre. Alors que si je l'enlève... Si je l'enlève, malheureusement, bon bah... L'effet de transparence est moins... Est moins... Ça marche pas. Ça marche moins. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Allez. Du coup. La grotte. La grotte. Je sais pas. Pourquoi pas là, ça me dit rien. Là comme ça. Pourquoi ça me dit rien? Pourquoi ça me dit rien? Ouais. Ah oui, d'accord. C'est parce que c'est un jeu qui est sorti il y a pas longtemps. Je suis pas très beat'em up, mais pourquoi pas essayer, ouais. Oui, c'est un jeu. J'avais vu un test d'ailleurs, tiens, de Vaprium. Pourquoi pas. Bah, quand je cherchais d'ailleurs. Quand je cherchais Pierre Solar, je suis tombé sur Vaprium.
Mais il n'y a pas eu des dramas avec Paprium d'ailleurs? Comment cousin? Comment ça cousin? Si, beaucoup de drama, ouais. Ouais, ok. So much drama. Hop. C'était barré avec la caisse, mais en fait, non, c'était juste un gros retard. Ouais. En jeu beat'em up. Ouais, mais cousin. Tu crois vraiment qu'après 4-5 ans, non, après 3 ans de console mania, voire même plus, tu crois vraiment qu'on n'avait pas fait Golden Axe? Les mensonges, le silence. Ah! Bah j'en sais rien, je suis un jeune viewer. Ah non. Ah non. Ah non, hein. Non. Voilà, j'ai dit c'est non. Peut-être que c'est Mario, ouais. Faudrait peut-être le tester. Mais ok. Bon bah bref. Rien à dire sur Paprium, j'ai juste que j'ai vu une vidéo de GameSax, je crois. Bref, et il parlait du fait que bon, ça s'est pas très bien passé. Mais c'est tout. Mais apparemment le jeu ok, hein. Même très bien. Tu vois, là c'est marrant. Là LVV c'est drôle. Là si LVV, au lieu que ça soit LVV qui écrive le message, c'était cousin, là on aurait rigolé. Mais voilà. Ah oui, bah oui, ça marche pas. Il va falloir jouer à Xenocrisis aussi. Ça faudra y jouer. Alors je sais pas quand, mais on y jouera. C'était prévu. Oui, mais il l'a pas dit. Bah oui. Bah oui, il rate tout. Est-ce que ça c'est pas la première fois? Donc faut passer par là, puis après faut passer par le haut. Carodus aurait dit FF8. Ah bon? Tiens, d'ailleurs, Afro, en parlant de ce que auraient dit les autres, hier... ben, c'est Jouf, ouais... C'est Jouf, il t'a imité, hein, Afro. Bon, ça, c'était rigolo. Mais, c'est-à-dire... qu'est-ce qu'il a dit, déjà? C'est Jouf? C'est Jouf! Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah mince, qu'est-ce qu'il a dit? Tu as dit, yep, tu prends tous les jeux de la tondeuse. Non, non, on parlait des jeux de la tondeuse. Il a dit, tu prends tous les jeux de la tondeuse que je te conseille pas et laisse mes propositions de côté, je le vis bien. Et juste après, il a écrit merde, je me suis lu, j'ai vu Afro. Ah, parce que apparemment, du coup, ça voudrait dire que. Ben voilà. Alors, je sais pas si c'est des plaintes, mais voilà. Bon. Il semblerait que. Problème de plainte. Répété. Et ouais. Ah bien sûr, hein, t'attendras qu'il soit là pour ouais. Ah moi je vais pas foutre la merde, hein, bien entendu. vous me connaissez. Ouais.
Ouais. Oui, là, c'est pas très beau. Mais le 8, je l'ai déjà fait. FF8, j'ai déjà fait. Je t'ai dit, j'ai fait 8, 9, 10. 8, 9, 10. Oui, 8, 9, 10. Ouais, chaud, hein. Chaud, chaud, chaud. Donc on vient chercher une herbe hein, pour le papa du perso, qui s'appelle Houston, ou Houston, bon. T'as mis quelle note à la menace fantôme? J'ai mis entre 3 et 4, un 3,5. Oh, j'ai bien aimé, ça va. Ça s'est bien passé. Pas sur tout le long du jeu, mais voilà. Aïe 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 aïe. Ah, c'est jouf là, tu viens de rouler bouler là. Ah ouais, là c'est. Non mais bravo, bravo, bravo. Merci pour ton abonnement offert. Bon, c'est pas non plus un jeu exceptionnel à hein, la menace fantôme, hein, mais ça va, j'ai passé un moment, ok. Ah, on est botaniste? D'accord, apparemment notre perso est botaniste. Allez, ils vont regarder tout. D'accord, yes. Trop bien. Allez, go. Mais je me demande si graphiquement, ça se trouve, il y a des différences graphique avec les autres versions. Je sais pas, ça se trouve t'as des mods, des trucs comme ça. Pas t'as des mods, non, c'est pas des mods, mais oui, ça se trouve c'est pas les mêmes. Enfin, c'est pas exactement la même chose. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Et je vais aller voir la version Dreamcast. Tiens. Regardons vite fait la version Dreamcast. Elle est peut-être plus jolie? T'imagines? Je pense pas, hein, mais. Alors, test MD, non. Je suis tombé sur une vidéo d'Edge NES, quoi. Pas mal. Je pensais pas que c'était possible. Mais si, c'est possible. C'est totalement possible. Attends, il y a personne qui a testé Pierre Solar sur Dreamcast? Oh là là, mais attendez, la version Dreamcast, elle a rien à voir? Oh là là, oh là là, oh là là! Arrêtez tout! Arrêtez tout! Arrêtez tout! Je crois que ça n'a rien à voir. Alors je vois ça là, mais Dreamcast, Pierre Solar. Ah merde, mais c'est le boss. Ah, c'est le boss qu'on va voir. Là, donc ça c'est la version 16 bits, donc la version Mega Drive, semblerait. Ouais. Ah!
D'accord, bah là on voit plus rien. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Pas du tout, ouais. Ah, pourquoi il n'y a pas de son? Ah ouais, c'est pas le même jeu, ouais. Ah ouais. Ouais, d'accord, ok. Bah, comme quoi, c'est pas du tout le même jeu. Enfin, c'est pas le même jeu. Ah, si, c'est le même jeu, mais t'as compris. Voilà. Voilà. Il n'y a pas les sons. Mais attends, ils ont sorti un jeu 2010, MD Dreamcast. Bah oui. C'est con parce que du coup, j'aurais pu faire la version Dreamcast. J'ai pas de Dreamcast. Alors, il y a une version PS4, je crois, non? Y a pas une version PS4? Parce que ça marquait PS4. Ah, une version PC. PS4 Playthrough. PS4 Beginning. Voilà. Bon, c'est la même chose. C'est plus propre que la version Dreamcast, qui est logique. Voilà. Ok. Ouah, ça va, en vrai. En vrai, bon. Voilà. Je veux dire, ils auraient pu faire une seule version, pas impératif économique, ça allait pousser. Oui. Ils ont sorti Micromage. Oui, à Micromage aussi. Micromage, c'est bien, Micromage. Oui. C'est bien Micromage. Enfin, Micromages d'ailleurs. C'est plutôt. Bon, bah nous, on fait la version Leader Price. Hein, voilà, ça fait plaisir. Non, mais ça va. Ça perd l'hippopette. Ah, c'est le boss tout de suite? Non. Non. Non, mais c'est magnifique pour de la Mega Drive quand même. Non mais va falloir que... Enfin pour de la Mega Drive c'est pas magnifique, c'est sympa. Mais magnifique, s'il te plaît, Yellow, bordel. Après c'est un problème, c'est la DA, attention, c'est la DA, c'est la DA. Là on parle plus de DA, après c'est compliqué de dire que c'est moche. Je trouve ça compliqué de dire que c'est moche. Peut-être que la palette de couleurs est aussi pas des plus... ouais. Essayons d'être modérés, nuancés, attention. Allez, c'est le boss. Donc ce qu'on va faire, on va tenter un truc. On va concentrer. Attends quoi, 82? Allô? Oui. C'était pas prévu ça. Bah non mais
ce heal, mais je sais même pas si le heal. Je sais même pas si je vais avoir le temps en fait. Non, c'est bon. Sauf que Breath of Fire soit tellement beau. Pierre Solar. Oui, mais après, c'est vraiment une question de DA. On est sur une question de DA là. Enfin, tu peux aimer. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui. Il y a des gens qui trouveraient ça très joli. Et voilà. Bravo. Ben, très content. Bon, je vais concentrer encore une fois pour voir si je peux pas avoir la max. Attends, la max. Si je prends des risques, hein, tiens, si je m'avance. Est-ce que il va arrêter de la taper, elle? Paf! Il y a encore possibilité d'augmenter là encore un. Je vais le tuer avant. Non. Si. Je vais attaquer les autres petites boules là. Moins 88. Ok, je pensais pas que tout à l'heure il avait juste raté. Moins 88. Donc là, je suis au max. Je crois, hein. Je dois être au max. Si je fais pas 800 de dégâts, je coupe la console. Pas de voir. Ah, mais elle garde sa concentration. Comment ça? Hein? C'est parce que si elle garde sa concentration... Ah, ça dit les noms. Mini-pou. Ah oui. Ouais, je vois ce que c'est, ouais. Elle le perd peut-être quand elle se fait toucher, ouais. Qu'est-ce qu'il fait là quand il fait ça? Je comprends pas. Ah, il se protège. Ah, moins 126, ouais. Je me demande si on peut lui donner un peu plus. Je crois que le max, hein. Je vais vérifier, mais je crois que le max c'est 4. Hein. Je peux pas aller plus haut que 4. Non, je peux aller jusqu'à 5. Oui, je peux aller jusqu'à 5 en gathering. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait le boss là? Poto, qu'est-ce que tu fais? On l'a défoncé. Enfin, ma concentration, ça a été totalement worse. Totalement worse. Ouais. Voilà. Thank you.
Ok, donc en fait, tout. On est d'accord hein, que tout le village n'a pas osé aller dans la grotte. On a 13 ans et on vient de défoncer le méchant de la grotte. 13 ans. Enfin. Le héros a 16, mais la moyenne d'âge c'est 14. 13, 14. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Peux rien faire. Toi, tu peux rien faire. Imbattable. Allez, on continue. Et on va aller récupérer l'herbe qui doit être dans le coffre, juste au-dessus là. Faut vraiment qu'il arrête avec sa perlipopette, hein. Ah non, pas du tout, c'était une potion. Vite. Il y a un truc que je comprends pas. Oui, vas-y, Frozen. Jardin. On va être par là. Vite. Pourquoi en 2010, on se retrouve avec la DA de Lucie, l'amour et rock'n'roll? J'en peux plus de Frozen, là, c'est... J'en peux plus, c'est... Ça y est, c'est bon, j'en ai marre. Non, mais ça y est, c'est bon. Là, je le... voilà, j'écris sur mon téléphone. Hop, je le panne. Mais arrêtez avec la DA, c'est bon. Non, mais bon, j'ai compris. Je suis d'accord avec vous. Demandez à... Non mais parlez avec Yellow Croc et Gold... Et parlez de Golden Sun avec Yellow Croc, là, c'est mieux. Fais, oui. Fais un effort. Ben, je crois qu'on n'aura pas mieux. On n'aura pas mieux. Ah, faut que je cherche. Chercher. Ah, celle-là. C'est bon. Donc je vais mettre un petit tacle aussi. Je suis qu'à moitié quand j'ai entendu... Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il lui balance? Yes. Yes. Non, ou sinon, Axeran. Sinon, j'ai un truc. En fait, à force, s'il continue, j'ai aussi des images, moi, prises d'un autre jeu. Voilà. Moi, j'ai ça, sinon. Axeran, j'ai ça. C'est pas mal. Je suis assez content de cette capture. De FF8 hein, ça ressemble hein, bien sûr, vous reconnaissez bien FF8. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors on a même hein, je me suis permis d'avoir aussi en plus gros hein, si vraiment ça ne te dit rien. Voilà. Hop. Au cas où. Le forcing. Ah là là, ça c'était bien. Ça c'était bien nul, hein, le... comment il s'appelait déjà le foot là dans FF10 là? Ah, j'ai même oublié le nom, quoi, pour te dire tellement que ça m'a marqué. Merci d'avance à la personne qui va me... Le blitzball, ouais.
J'ai essayé pourtant, j'ai vraiment essayé le Blitzball, hein. En mode j'étais, on va essayer, on va vraiment essayer. Et bah, j'étais zéro. Alors peut-être parce que j'étais zéro, mais je me suis... Aucun fun. Genre aucun fun. Et vous me connaissez, hein, les... les trucs pas ouf, moi j'aime bien. Je suis pas arrivé. Mais oui, mais ça s'XP, mais j'ai essayé d'XP. C'est ce qu'on m'a dit au début, Axeran. Au début, on m'a dit, t'inquiète, il faut t'XP, il faut trouver des joueurs, faut parler, machin, tout ça. Et à chaque fois que je parlais à des gens, ils voulaient pas venir dans mon équipe. Donc je me suis dit, bah, c'est après, on fera après. Et puis au bout d'un moment... Pff. Ouais, je sais pas. Mais le concept est sympa. En fait, le concept est sympa. Le seul problème, c'est que le système de coûts. Enfin, non, le système de pas de notes, mais de statistiques qui fait que tu as plus ou moins de chances de passer ou plus ou moins de chances de marquer les passes, les machins, tout ça. Bah. Voilà. Ça m'a pas. Ça m'a pas énormément plu. Des fois, je me faisais des sessions de Blitzball de plusieurs heures. Après, t'es un homme de goût, donc je comprends. Non mais, bah non, mais je voulais. J'aime bien manger des trucs pas ouf. Oh, j'aime bien. Ça me dérange pas. C'est comme le jeu de cartes d'effet fuite. On était allé loin. Hein. On était allé loin. J'avais presque tout débloqué. Hein. D'effet fuite, FF9. Non, FF9, je crois. FF9, FF9. Parce que FF8, j'ai pas fait. D'ailleurs, tiens, Yellow. Tu sais que ma télécommande, c'est toujours marqué Yellow Croc, hein. Tu es toujours. J'ai toujours la télécommande. Fais gaffe. Je vois parce que je l'ai pas enlevé. Ouais, fais gaffe, j'ai toujours. Je peux toujours te contrôler. Je peux t'éteindre à tout moment. Allez, gamin! Il est où, gamin? On l'a perdu. Ah non. Il est là. Il y a des cartes qui sont quasiment impossibles à avoir, surtout. Ouais, enfin bon, bref, après, c'est pas très grave. C'est un mini-jeu, il y a des mini-jeux dans FF. C'est cool les mini-jeux dans FF, moi j'aime bien. Cool. Sauf le Golden Saucer de FF7. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est parce que le jour où j'y suis allé, le jour où je suis tombé là-dedans, parce que je suis allé aussi loin que ça, enfin aussi loin, c'est pas loin d'ailleurs. On m'a survendu le truc. On m'a dit, tu vas voir, la course de Chocobo, c'est trop bien. Bah, c'était pas ouf, en fait. C'était ok, mais c'était ok. C'était en mode, bon, ouais, ça passe. Ça passe. Mais c'était pas... Bah, voilà, quoi. Mince. Je me suis beaucoup plus amusé sur la course de Chocobo de FF10. Enfin, la course, oui, c'est... De petites. Tu fais mal à ton nez. Eh ben oui, mais moi, écoute, j'avais envie, moi, d'aimer. C'est que j'ai envie d'aimer les choses qu'on me dit qui vont être bien, tu vois. Est-ce que tu connais Billy Hatcher? J'ai vraiment eu envie de l'aimer. Tu connais Billy Hatcher? Bah, Oddworld, ça va être nul à chier. Par terre, tu vas voir. Oui, mais on peut faire des pour. Enfin, pardon. Non, mais Oddworld, pseudo, j'ai la nostalgie. Donc, je pense que
ça va me cadrer un peu. Mais je sais à quoi m'attendre sur Oddworld. Je sais, je sais. Donc comme je sais, il y a des chances que ça ne me choque pas. Et on reparle de Billy Hatcher. Ouais, bah toi, hein, ramène-toi pas là, j'ai joué 50 minutes. Parce que super simple, hein. C'est le problème avec les attentes, hein, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. J'ai joué quelques heures, ça allait, bah voilà. Bah voilà. Bah voilà. Bah voilà. Il n'y a plus de Hidden Gem. Maintenant, c'est Console Mania. Tout est Console Mania. Mais si tu tapes un point d'exclamation Console Mania, t'as 2 saisons maintenant. Ça fait un bail, Tabasco, t'es pas venu si t'as raté ça là. Non? J'ai un doute. C'est quand qu'on a commencé Putain. La saison A, c'est quand? Ah, ça fait 1 mois. Ah, ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois, non, ça fait 1 mois. 1 mois, 1 mois. On a commencé. Cinquième élément, ça a commencé le 24-06-2021. Ouais, ça va, ça va, ça va. T'inquiète, t'inquiète. Ça fait pas si longtemps. C'est pas un reproche, hein. Pas un reproche. Je m'excuse d'ailleurs si c'est. Si c'est, ça sonne qu'un reproche parce que ça ne l'est pas. Parce que ça doit pas l'être en fait. Faudrait que tu nous sortes un jour un top 10 de tes pires expériences Console Mania. Mes pires expériences Console Mania, bon, je peux en sortir, hein. Là, comme ça, un top 10, je peux t'en faire un. Ouais, c'est facile, hein. Phantasy Star 2. Enfin, si je peux faire un top 10 là rapidement. Genre très rapidement. Phantasy Star 2, ça c'est pas mal. Nîmes. Phantasy Star 2. Il y a. Félicitations! Merci, Georges, merci beaucoup pour ton sub. Mais oui, il n'y a pas de problème. Attention, j'ai pas. Merci. Il n'y a pas de problème sur le fait que vous venez quand vous pouvez. Hein. Mais. Boogerman aussi. Boogerman, je pense qu'il fait partie du top 10. Jeu des proutes. Donc, pas drôle. Jeu des proutes. Chacan. Mais Chacan, c'est différent parce que j'ai un peu le syndrome de Stockholm. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, c'est un peu chiant. Donc ça fait quoi? Ça fait 3. 3, 3, 3. Il est pas bien, Phantasy Star 2. C'est pas qu'il est pas bien, c'est que c'est un vieux RPG et. Et bon, c'est un vieux RPG quoi. Donc c'est un peu comme Is 1. C'est un vieux RPG. Enfin, c'est un action RPG, Is 1, mais bah, comme c'est vieux, bah c'est vieux. Et à l'époque, bah que c'est vieux. C'est vieux. Hard Driving, c'était pas bien. Hard Driving. Vous avez déjà vu Hard Driving sur Mega Drive? Vous devriez regarder. C'est une expérience. C'est vraiment une expérience. Oh. Judge Dredd. Ah, Judge Dredd, c'était pas bien. Judge Dredd, c'était pas bien. Krusty Funhouse aussi, c'était pas bien. Il a dit vieux, je crois. Hein. Non, j'ai dit Kurt. T'écoutes pas, hein. J'ai pas dit vieux, j'ai dit Kurt. Ah, c'est pas mal là. Trouve ça marrant que Sapin dise stop 10 easy pendant ce temps, le jeu est en pause, aucune idée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que oui. Le jeu parle. Ouais. Technoclash qui esquive la balle. C'est vrai, Technoclash aussi, merci de me le rappeler.
Un Techno Clash, c'est pas si vieux, donc là je pensais qu'il parlait de choses peut-être un peu plus vieilles. Ah, j'ai raté un truc là, je crois. Je crois qu'on vient de rater un truc là. Non! Donc là, le bouquin qu'ils ont trouvé, c'est un journal intime. Et donc la fille, c'est la plus jeune, hein. Elle a 13 ans. Elle arrive à lire. Je ne sais pas pourquoi elle arrive à le lire, mais elle arrive à le lire. Et il semblerait qu'il y ait des choses écrites un peu chaud. Hein, voilà, un peu chaud. Et voilà, hein, voilà. Et ça a balancé au calme que bon bah ils aimeraient bien le lire. Enfin, vous l'avez. Chine. Oui. Ah, son père, il est vraiment merveilleux, idiot de fils. Oui, bah parce que c'était dangereux. Pour ça. Ah oui, bien. D'accord. Tiens, tu peux prendre la cap, tu peux faire une capture là si tu veux, Axeran. Je te laisse un peu de temps. C'est bon. Voilà. Si tu C'est pas mal, la traduction est pas mal, hein? Y a vraiment un truc. Y a vraiment un truc. Alors c'est con parce que on n'a pas réussi à récupérer les coffres qu'il y avait dans la grotte. Ah, donc finalement, le bouquin, on va le lire ensemble? Elle lui a pas dit que non? Ou alors j'ai mal compris? D'ailleurs, notre personnage doit pas dormir par terre, hein, sachant qu'il n'y avait que un lit. J'imagine le lit des parents. Enfin, donc, il y a un deuxième lit là-bas. Ah, j'ai pas vu. Peut-être pour sa mère, mais lui, il n'a pas de lit.
Ah non, ils ont dû lire le bouquin. Ils ont dû lire le bouquin, c'est une annonce comme quoi la Terre, le monde est en danger. Et puis si c'est ça, ça va me. Bon, bah voilà quoi. Allez, c'est parti. Sa mère dort avec son père, donc lui il a son lit. Oui, peut-être, oui, fais voir. Vérifions s'il y a un autre lit. Bah oui, ça doit être ça. Hein. Ça doit être ça. Hein. Est-ce qu'on peut parler à notre papa? Papa? Voilà, trop bien, merci pour tout. Parfait. Ses parents dorment ensemble, c'est fou quand même ce que tu m'apprends, cousin. T'es perspicace, hein, quand même. T'as changé. Hein. C'est vrai que l'homme nouveau que tu es devenu, vraiment, c'est fou. Hein. Allez. Ah. Oui, c'est cool d'avoir du français, ouais. C'est cool. Et en plus, c'est cool d'avoir du français, mais en plus une traduction, une bonne adaptation. Voilà. Ouais. Par contre, LVV, hein? Tu calme-toi. Merci pour mon pierre solar pour PNG. Ah, on va retourner à la grotte. Oui, c'est réglé les histoires d'écran, c'est réglé. Ça y est, après, bah finalement, il a fallu juste vérifier. Mais dans un sens, moi je trouve que sachant que cousin a acheté un écran à 400 balles et qu'il n'utilisait et que bah il y a, ça marchait pas, enfin ça marchait pas, il n'utilisait pas le son plein potentiel. Les, c'est comme s'il avait un écran à une centaine d'euros. Du coup, bah il pourrait nous faire cadeau des 300 balles, tu vois. Ou en tout cas, on pourrait partager. Voilà. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah oui, tu vois. Oui. Ok, donc on retourne dans les grottes, alors que sa mère, elle nous a dit, attention, hein, tu fais plus de conneries, hein. J'ai mis 250 balles dans la RAM de... Ouais, de... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça balance des... Non, mais là, par contre, je suis pas d'accord. Hein. Il faut... C'est pas très... Non. C'est pas réglementaire, ça. Ouais, après toute ton œuvre, c'est... Ouais, là, j'avoue que là, ouais. On fait quoi? Non, bah, pas besoin de sauvegarder. Est-ce qu'on peut retourner à la ferme et faire le truc des pastèques, là? C'est pastèques, des melons? C'est des pastèques, c'est bizarre. Hein. Et ne touchez pas à ma production. Dégagé. Il y a des petites la... il y a des petits temps de latence parfois. Je suis déjà rentré chez lui, je crois.
Là, vous avez vu le glitch quand je suis rentré, enfin l'écran comme ça a fait. Est-ce que ça le refait pas parfois? Un PVM? Non, c'est un écran normal. Ouais, c'est bizarre, c'est pas les mêmes. Je pense qu'il y a un problème avec les transitions. Il y a des transitions qui se font mal. Et du coup, ça a fait des... Ouais, c'est pas beau. T'as remis le dithering? Non. Non, non, non. C'est un jeu de 2010. Qui est pas si vieux. Ouais, c'est pour ça. C'est un jeu rétro. Enfin, ils ont fait un jeu sur une ancienne console. Bon, il est sur Mega Drive. Genre, ils ont fait un jeu Mega Drive. Et donc, bah, ça passe. C'est un jeu Mega Drive. Donc, ils l'ont fait avec voilà. Comment on dit? Les. Je suis en train de chanter Witcher là. Contrainte, merci. Pourquoi j'ai tapé ça alors que je devais taper l'araignée? L'araignée est bien dégueulasse en tout cas. Qu'est-ce que je fais d'ailleurs? Pourquoi je farme? Je veux pas farmer? Mais ce blister donc cool que tu fais, ça m'évite de l'ouvrir. Ah bah aujourd'hui en plus il coûte cher hein. Je crois que j'ai essayé. J'ai pas, c'est pas que j'ai essayé de. Tu l'as sur quoi? Parce que je crois que c'est la version Dreamcast, elle doit coûter des centaines et des centaines d'euros. Là je vois une version à 240 balles. Ah ouais non mais ouais. Ouais. Après, c'est les first print, donc je sais pas comment ça se passe. Ils ont dû en refaire entre-temps. Ah voilà, j'ai un first print en 9 non ouvert, 199 euros. Ouais. Tiens, t'es lourd. Le jeu est vraiment pas ouf. Ah. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Je suis curieux vu qu'on n'est pas très loin. On est au tout début donc. Je suis assez curieux. Juste peur que ça soit. J'avais joué la version HD, je trouvais le rythme n'était pas top. Ok. J'avais. C'est ce qu'on était en train de. Ça a l'air d'être classique. On a l'air d'être dans du classique. En vrai, c'est pas. Je m'attends pas non plus à quelque chose d'exceptionnel. On m'a pas vendu le jeu. On m'a rien dit. Genre, on m'a strictement rien dit. À part le fait que c'est un RPG sur Mega Drive, ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà vraiment beaucoup. Comment je fais? Non, c'est pas par là. Il faut que j'aille par où? Il faut que je sorte de là. Je crois que c'est pas par là. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, ce soir, enfin là, le stream s'arrête dans une dizaine de minutes, car ayant mon rendez-vous au dentiste.
Il faut que je me... Faut que je me casse plutôt. Faut que je mange et je me casse plutôt. On n'aura pas fait grand-chose. Mais... Bon, enfin, pas fait grand-chose, ça va en vrai. On aura joué 2h30, 3h quand même. C'est appréciation perso, ça se trouve... Oui. Non mais, bah, de toute façon, de toute manière, si t'as commencé par « je l'ai pas trouvé ouf », que ça soit ton appréciation, ça j'en avais aucun doute. Je n'ai aucun doute, c'est comme. Tu seras là ce soir? Bah oui. Pourquoi je serais pas là? Oui, je serai là. Ta vie. Sauf s'il a mal. Mais ça devrait aller. Non mais ça devrait arrêter. Non mais j'ai pas trop peur pour ce rendez-vous-là, dans le sens où j'ai pas mal là maintenant, j'ai rien. C'est juste que je vais on va faire un check-up là. J'ai besoin d'un check-up. Et on sait jamais. Oui, il peut arriver plein de choses. Mais dans l'idée, ça devrait aller. Voilà. J'aime pas le dentiste. Ah, moi non plus. Enfin, c'est un check-up plus j'avais un. Enfin, il y a 3 ans. Il y a 3 ans? Je crois il y a 3 ans. J'avais mal à une dent. J'avais mal à la dent tout au fond. Et je suis allé chez le dentiste. Il fait, ouais, j'ai mal et tout. Et m'a regardé, il me fait, oui, ta dent est nécrosée. Va faire une. On va poser une couronne. J'ai eu des rendez-vous chaque semaine. Elle m'a scié la dent. Enfin, bon. Ça m'a coûté 1000 balles, ouais. Voilà. Ça c'était pas mal à ce moment-là. J'étais bien heureux. Mais bon, je le savais parce que j'avais mal. Mais là, ça devrait aller. Parce que depuis, j'ai fait attention. De toute façon, le problème c'est qu'elle m'avait dit la dentiste note orange parce que le pire, donc là, cette dentiste là, je vais pas voir le même, je vais pas voir la même. Cette dentiste là, la première fois que je l'ai vue, j'ai fait ouais, j'ai un peu, enfin, c'est pas que j'ai pas un peu peur, mais bah, je stresse un petit peu parce que bah c'est pas fou, enfin c'est voilà. Et la seule chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit en gros, ouais, bah c'est bon quoi. Hein. T'inquiète, t'as qu'à te calmer quoi. C'est comme si je te dis j'angoisse un peu et la personne te regarde et elle te dit bah arrête d'angoisser. Yes. Youpi. Vraiment les meilleurs conseils, hein. Tu es triste? Arrête. Voilà, c'est tout. Et donc bizarrement, j'ai pas envie d'aller la revoir. Voilà. Donc je vais voir quelqu'un d'autre. Voilà. Oui. Oui, j'ai pas la ref. Mais. L'astuce, c'est d'aller avant d'avoir mal. Exactement. Tabasco, bravo. En confinement avec une dent nécrosée et deux autres dents bien attaquées. Ah, ça n'a pas dû être. Pendant tout. Et ça a quasiment. Bah, tant mieux. Tant mieux. Ah, j'ai envie de te dire. Tant mieux. Ou alors peut-être que en plus que le mec a fait un taf génial, peut-être t'es pas trop sensible. Il doit avoir des gens plus sensibles que d'autres. Oui, c'est le premier épisode sur le jeu. Ça a démarré ce matin. Après les dix quand elle m'a enfin elle m'a fait la couronne, tout ça, ça va, j'ai pas pleuré à chaque rendez-vous. C'est juste que bah, quand t'as des trucs dans la bouche, que tu sentes ou que tu sentes pas, bon, il y a des trucs dans la bouche, quoi. Et surtout que quand on te fait vibrer toute la tête quand il est en train de te scier la dent, bon, même si tu sens pas, bon, bof, c'est pas fou. Mais maintenant que j'ai l'expérience, ça devrait aller. Surtout que il va pas avoir ça. Ah!
LVV va exploser. Non, LVV! Ta machine est un véritable caca? What? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, alors j'ai dit que l'adaptation était pas mal. Ouais. Bah bon, ils ont pas... Tout n'est pas parfait. Hein. On peut parfois avoir une petite... Bah, on est, il se passe pas grand-chose. Là, on, donc on est... Le héros, son papa était malade. Et avec deux de ses amis, il est allé dans une grotte pour chercher une herbe. Sachant que le héros est herboriste. Pour sauver son papa. Mais puis depuis, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il n'y a pas eu de... d'éléments perturbateurs où le monde va exploser ou imploser, bref. Mais on a trouvé un livre bizarre. Voilà, voilà. Il met de la zig de jazz, il fait des blagues, il met des tranquillisants, du coup on sent rien. Oh le mec. Ah non. J'ai vu des Zelda qui commençaient sur moins que ça. Oui. Oui, bon, bah après. C'est... Oui. Oui. Ah! Trop bien. On a trouvé un play garçon, ouais. On a trouvé un bouquin, et dans le bouquin. Apparemment, il y a des trucs bon, pas très pour les enfants. Tu vois ce que je veux dire. Ah, je peux pas sauvegarder. Ah, mais par contre là, il va falloir sauvegarder parce qu'il va falloir arrêter. Malheureusement, comme oh non, non, mais je veux sauvegarder. Aïe aïe aïe, je peux pas sauvegarder. Bon bah, on se grouille. Hein. J'aurais dû sauvegarder avant. Je suis vraiment nul. Comment je fais pour passer là? Moi, je veux ça là. Des bisous, Yamé. Essayez de passer. Il n'y a vraiment aucun moyen de sauvegarder. Hein. Le jeu, il est en mode no, 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 no. Je ne veux pas. Tu n'as pas le droit. Encore. Ah, peut-être qu'on va pouvoir sauvegarder quand il aura rentré dans un petit safe state là. Alors, sache, c'est drôle, mais je crois qu'il n'y a pas possibilité de faire des safe states sur ce jeu. Parce que la fonctionnalité. Enfin, donc, pour lancer la safe state. Enfin, non, il n'y a pas. Je peux pas. Ça ne marche pas. Donc, pas de safe state. Ouais, oui, même, d'accord, oui. Et donc la fille a l'air d'être celle qui sait tout. Ou en tout cas, elle a pas mal d'infos. Alors, laissez tourner la console. Elle consomme pas beaucoup la Mega SG. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, la console s'est éteinte. Donc, non. Un petit peu gênant, ouais. Ah, donc ça s'ouvre. Non. Les musiques sont pas mal, ça va. Mais je pense que ça, avec ce que Intello a dit, je pense que ça va être Au mieux, ce sera OK. OK plus. Je le sens comme ça.
Même avant ce qu'il ait dit que lui il aimait pas trop, je le sentais comme ça, vraiment. Vraiment. Ah! Oh! Ah, c'est peut-être pour ça qu'on pouvait pas sauvegarder. Oh, il va jamais me laisser sauvegarder. Je le déteste. On doit être juste dans l'hôtel. Non, 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 je pense pas. Et là, on peut avancer. Dis-moi que tu peux sauvegarder. Ah oui. Oh! Voilà. Yes! Sauvegarde. Alors, on quitte pour voir si notre sauvegarde a bien été. Hein? Mais normalement, ça devrait aller. Paf, 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 paf. Allez, fais-moi rêver. Parfait. Parfait, parfait. Ah, il y a le temps. Bah oui, il y a le temps. Donc 2h36. Ouah, ça va, ça va. Ça va, ça va. On est bien. Ah, t'as pas répondu, mon cher Axeran, à notre cher Euriste. Du coup, je réponds à ta place. Hop. Plus que 64 heures, exactement. Bref. Bref, bref, bref. Du coup, moi, je m'arrête là. Parce que, bah, rendez-vous. Et rendez-vous, bah, vous savez, c'est... Voilà. On se dit à ce soir. Hop, je m'y remets ce soir. Ce soir à 18h30, normalement. On continue, puis on continuera samedi ou dimanche, je sais pas. On verra. On verra. Hop. Là, je vous mets une petite minute de pub. Allez, petite minute de pub, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une petite minute de pub. Donc, petite minute de pub avec la musique. Et on se dit à tout à l'heure. Avec ce soir la bouche en feu, mais non, ça ira. Ça ira, ça ira. Des bisous. Bon appétit. Là, j'ai le droit de le dire, vous allez manger à midi et demi, normalement, les gens devraient pas... Ils ont pas dû manger. Ouais, peut-être, je sais pas. Bon appétit quand même. À tout à l'heure.